Bonjour, alors nous voici à la fin de l'étage 6 du jeu Towers de JV Enterprise, jeu de Donjons et Dragons sorti en 1993 pour les Atari ST. Donc on va rentrer dans la salle 7, et en fait la salle 7 elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la salle 6, sauf qu'il y a des extensions pour arriver à des salles du niveau 6, des salles secrètes de l'étage 6 en fait, qui ne sont pas accessibles à l'étage 6, mais à partir de l'étage 7. Donc là on a déjà la nourriture, hop, je vais pouvoir mettre ça là. Donc en fait ici on va récupérer, alors ça c'est une épée, ce qui m'intéresse pas trop. Donc en fait ici on va récupérer différents items, dont une bague magique. Donc vous voyez là en fait ça ressemble à l'étage 6, sauf qu'il y a des petits détails en plus. Voilà. Bon par exemple là il n'y avait pas de pacha secret, et là je vais en avoir un. Donc là on avait toujours les gargouilles et les géants chevelus, et on a un nouvel ennemi. Nouvel ennemi qui est un singe debout en fait. Enfin, moi je l'appelle un singe debout. Et en fait, c'est pas vraiment un singe debout. Enfin, c'est un singe. Disons que c'est un singe, ça ressemble à un singe. Alors ici, on a une fiole rouge. Alors ça, c'est une nouveauté. Et alors, si je fais l'ulcube pour révéler l'alcube, pardon, l'alcube pour révéler ce que c'est. En fait, il s'agit d'un poison. Donc, alors je vais vous montrer ce que ça fait, hein, vite fait. Voilà. Bon, je vais prendre un bout de pomme là. Je suis fou. Là, je vais dormir un peu, je vais vous montrer un peu ce qui se passe avec le poison. Donc, je suis toujours au niveau 5. Je vais vous montrer ce que fait le poison. Voilà, ça m'empoisonne. Et comme, alors, on a dû voir un sort quelque part. Pour soigner le poison, c'est Nkele. On a vu le sort, c'est Nkele. Nkele, c'est ça. Nkele. On a vu ça à l'étage 6, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, on a un parchemin. Pour résister au feu, Zasal. Pour résister à la glace, Xaskele A. Xaskele A. Alors donc, je vais faire Xaskele A. Zaskele A. Ah zut. Zaskele A, hop. Alors si je vais par là, en fait, je vous vous rappelez du niveau, l'étage 6? C'était les deux couloirs parallèles qui étaient au début du niveau. Donc là, je vais me préparer avec ça. En fait, j'ai remarqué que le géant chevelu, il aimait pas trop le jet de bâton à ressort. Donc là, je vais tout droit parce qu'en fait, je dois faire un autre truc avant. Donc lui on a un nouveau voilà.
En fait, le bâton à ressort, ça va être efficace contre eux. Attends, je vais d'abord récupérer un peu. Hop. Je joue au niveau 5 là. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire d'autre là? Hop. Une pomme. Ah, j'ai atteint le niveau 6, ça, vous voyez? Donc là, je vais avoir 52 points. Est-ce que j'ai mis le bâton? Le bâton il est pas là, faut que je récupère. Je sais pas où j'ai mis le bâton. Et là. Faut que je le récupère lui parce que sinon ça va pas le faire. Donc là je vais en plein sud. Donc on a déjà eu 3 gargouilles si je dis pas de bêtises. Alors c'était quoi le sort pour se protéger? C'est Xaskelia. Ah, je vais faire Xaskelia. Xaskelia. Quel est A? Il est où le A là? Xaskelia. Ah, voilà. Parce que normalement, ici, je devrais avoir un autre. Notre gargouille, si je dis pas de bêtises. Bah, elle est où la gargouille? Bon, j'ai pas de gargouille, tant pis. Je vois combien j'ai 52. Je vais récupérer un peu. Donc, au niveau précédent, on avait le jeu de 7 leviers là, qui était là. Hop. Donc en fait avant chaque combat il faut mieux être en forme, être alerte, etc. Donc là en fait on va avoir un premier niveau. Enfin là, donc là on a une salle, on y a été à l'étage 6, mais cette fois on a une ouverture qui se trouve. Il se trouve que ça va à l'étage inférieur. À l'étage 6 donc. Et ici. Alors il n'y a pas d'ennemis là, donc il n'y a pas de souci. J'ai mon slip. Donc en fait ici il n'y a rien, il n'y a pas d'ennemis. Vous voyez. Et là c'est l'étage 6, c'est une des 4 salles secrètes qui étaient à l'étage 6 en fait. Pour soigner ses blessures, tape même. En fait là c'est une formule qui est encore plus efficace que l'autre. Donc là je vais manger un peu.
Rakeleke. Donc pour remonter, je vais faire Rakeleke. La formule magique Rakeleke. Voilà. Donc en fait, on va par là par exemple. Hop. Donc j'ai plein sud là, hop. Je crois que j'ai un peu d'avance par rapport à l'heure prévue. Donc là il n'y a plus rien. J'ai plein sud. Voilà. Donc on a visité une des premières salles secrètes de l'étage 6. Alors où est-ce que je dois aller là maintenant? Ah oui. Je dois aller par là. Alors j'essaie de dormir un peu. Alors là, il y a donc ok. Maintenant, il y a un nouveau type d'ennemi. C'est un, en fait, c'est un singe. Alors, vous allez voir, il y en a un singe là, qui va apparaître dans le coin, normalement. Donc là, en fait, on a quelque chose. Là. Bon, on a une paire de bottes, des os et un anneau qui se trouve là. Donc l'anneau, alors l'anneau il se trouve où? Il se trouve où les anneaux? Il se trouve là les anneaux, voilà. Donc, alors ce que je vais faire c'est je vais mettre là, je vais faire l'alcube, pardon, pour révéler ce qu'est cet anneau. Donc c'est un anneau qui permet de transporter plus d'objets en fait. On verra plus tard que ça augmente la capacité de d'au moins 6. Alors, je sais pas où il est le singe là. Il est censé avoir un singe là. Là, non, c'est pas lui. Là, ah bah zut alors, j'avais pas remarqué. Il y en a un autre là. Je vais dormir un peu. Je vais faire comme ça. Je vois où j'en suis, meilleur alerte, donc je vais manger quelque chose, hop, une pomme, voilà, là je vais me retrouver là, hop. Alors lui c'est un nouvel ennemi qu'on n'a pas encore vu, c'est un singe, mais il n'est pas très coriace. Hein. Moins dangereux que le géant chevelu qui donne des gros coups, des plus gros coups. Donc on a vu là que pour résister à la glace c'est Zaskele A. Il se trouve là. Zaskele A. Voilà. Bon alors là normalement il y a une autre gargouille. Tout à l'heure.
pas où elle est cette gargouille. Ça va être par là normalement. Bon bref. Là si je vais en plein sud, je me retrouve à une autre salle secrète de l'étage 6. Bon là il n'y a rien de dangereux en fait, il y a juste quelque chose à récupérer, hop. Alors je peux prendre un bout de viande, un bout de pain, voilà. Et on a ça, donc je fais l'alcube pour vérifier ce que c'est. Non, l'alcube. L'alcube. L'alcube, hop. Là, je vais voir ce que c'est. Non, ça n'a pas marché. Pourquoi? L'alcube. Bah, les sorts, ils ne marchent pas tout le temps. Hein. Des fois... Ah bah zut. L'alcube. Pas de bol, d'habitude ça marche quasiment du... Voilà. C'est une potion de mana. Donc je vais la mettre là-dedans. Alors là, où est-ce que je vais? Je vais au nord. Oui, il est là, ok. Alors c'est quoi le truc pour se protéger du froid? C'est Xax. Xax qui est A. Xax qui est A. Donc normalement, c'est chaque fois qu'il me donne un coup là, ça ne me fait rien. Ah si, ça me fait quelque chose, ça doit pas être ça. Tant pis. Ah bah quand même, bon, voilà, c'est pas du froid, alors je sais pas ce que c'est ce qui me jette, parce qu'apparemment c'est pas ça. Donc alors je suis où là, je suis au nord, donc là en fait il n'y a rien dans cette salle là, c'est du vide en fait, vous voyez, hop, si je fais ça, hop, il n'y a rien, il n'y a rien dans cette salle là, donc faut que j'aille par là, alors je vais faire même pub. Je vais juste dormir un peu là pour récupérer un peu. Voilà. Et là je me retrouve. D'accord, donc là faut que j'aille à l'est. Puisque là j'avais rien en fait. Voilà. Donc là comme je vous l'ai dit, c'est la même architecture que la salle, que l'étage 6. Donc là, faut que j'aille en nord, là, au nord, à l'est, et que j'ouvre ces deux boutons-là. Il y en a un là, et un là. Et là, j'ai deux autres salles secrètes qui atterrissent à l'étage... Oh, qu'est-ce que j'ai comme truc? Qui atterrissent à l'étage 6, voilà. Alors, donc, alors ici c'est quoi? Plein sud, c'est... Je vais tomber sur quoi, plein sud? Plein sud, je vais tomber sur... Ok. Donc, faut que je me prépare. Parce que là, j'aurai le géant chevelu, en fait. Non, c'est pas si, c'est pas ça. C'est une gargouille, voilà. C'est une gargouille, hop. Donc je récupère le parchemin que je viens de jeter là, par inadvertance, et d'ailleurs je sais même pas ce que foutent ces armes là. Elles devraient être là. Ah, si elles sont là, d'accord, ok. Alors là j'ai quoi? Là j'ai juste un parchemin, c'est un autre sort à mon avis. Ok. C'est pas sûr. Ok, un bout de pain.
Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. Je vais pouvoir me reposer un peu là. Hop. Donc je me suis trompé, c'était une gargouille. Donc je vais faire Rakeleke. Je suis où? Rakeleke. Rakeleke, hop. Donc normalement là, je vais enfin plein nord plutôt. Et là, je vais par là. Et donc pour annuler un sort, en fait vous cliquez sur le bouton, comme ça. Voilà. Là je vais refaire le plein de maintenant. Alors là c'est. Qu'est-ce que j'ai? Je suis plein ouest. Donc je vais me retrouver dans la troisième salle secrète. Dans laquelle je vais me retrouver avec le géant chevelu. Donc je vais me préparer pour le géant chevelu. Hop. Voilà, il est là. En fait, il n'y a rien dans cette salle-là. Mais en fait, si vous voulez récupérer de l'expérience, il faut mieux tuer tous les ennemis. Donc là, je vais être obligé de refaire un. Alors, je vais prendre la potion. J'ai pas le choix. Hein. Je suis obligé de prendre la potion de mana là. Donc c'est pas celle-là. Hop, c'est l'autre. Pour faire le plein de mana. Parce que là, j'ai plus de mana. Rakeleke. Bon, ça dure assez longtemps, hein, l'effet d'une potion, hein, vous inquiétez pas. Voilà. C'est pour ça qu'on a une potion de mana, en fait, c'est pour permettre. Donc là, j'y suis allé déjà. Donc là, on a visité 3 salles secrètes de l'étage 6. Plus... enfin, un quatrième. Ouais, enfin, ça fait 3, 4, ça fait moins. On a combien d'étages secrètes de l'étage 6, en fait? On a... 1, 2... 3, 4, enfin on a 5 salles secrètes, bon, dont 4 accessibles par l'étage 7, enfin 5 en fait. Là je suis en plein sud, donc si je suis en plein sud je fais quoi? Voilà, alors on a bientôt fini le niveau là, on a encore un truc là par là, l'est. Là faut qu'on récupère la clé pour, alors là c'est la 4ème salle, enfin la 5ème salle secrète, et là c'est la sortie. Et là, en fait, faut que j'aille par là pour récupérer une clé. Alors, il y a plusieurs ennemis, en fait. Enfin, il y a deux ennemis. Il y aura... comment dire? Il y aura d'abord un singe, comme on a vu tout à l'heure. Bah, lui, il est pas très coriace, ça va. Donc là, je vais faire ça. Hop. Voilà, il est là. Lui en 2-3 coups je l'ai. Normalement. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir dormir un peu. Ok. Donc dans cette salle là. Il n'y a rien de spécial. Si. Il y a un parchemin et de la nourriture. Donc je vais voir ce que j'ai au niveau nourriture. Est-ce que... Donc là j'ai mangé un petit quelque chose. Voilà. Oh, j'en ai de la réserve de nourriture, hein, vous savez, ça va le faire. Voilà. Donc là... chose ici. Il y a rien dans cette salle là? Si, normalement il y a quelque chose dans cette salle. Ah non, tiens, il y a rien, c'est bizarre. Je croyais qu'il y avait quelque chose. Je vérifie. Ah non, il y a rien. Il y a rien, faut que j'aille par là donc. Et là, il y a le géant chevelu qui apparaît là.
Ok, là j'ai rien de spécial. Donc là on a la deuxième salle. Normalement il y a quelque chose, il y a une clé. Voilà, je récupère cette clé là, ici ou là, peut-être. Ouais, c'est là les clés. Voilà. Et là il reste plus qu'une salle qui se trouve ici. Il n'y a rien de spécial dans l'autre salle. Alors, on peut vérifier s'il n'y a pas des. S'il n'y a pas des trucs là. Des salles secrètes, mais normalement non. Donc là je suis à l'ouest. L'ouest c'est par là. Hop. Là c'est quoi? C'est le nord. Le nord c'est par là. Non, c'est pas par là que je suis allé. Est-ce qu'il y a des choses là par là? Est-ce que des fois il y aura des salles secrètes ou pas? Des passages secrets, je veux dire. Hop. Non, il n'y a pas de passage secret, oui. Hop. Donc là, je vais à l'ouest. Est-ce qu'il y a des choses à l'ouest là? Normalement, il n'y a rien. On peut vérifier. Ici, il n'y a rien. Hop. En fait, je sais même pas pourquoi cette salle-là existe en fait. Est-ce qu'il y a un accès? Ah oui, il y a une armure, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Il y a une armure. Donc alors là, je vais me déposer ça là. Enfin, un plastron en côte de maille. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une salle secrète ici. Il y a aussi ça. La nourriture. Hop. Rien d'autre. Tac. Donc là, je vais pouvoir faire un rack et les quais. Rack et les quais, donc pour la lévitation. Je vous montrais quelque chose dans cette salle. Ah, j'ai fait une connerie. Si, c'est là. Je vous montrais quelque chose. Là, vous avez un levier. Si je fais ça, hop, ça ferme la grille. Donc, faut faire gaffe. Voilà, donc j'annule ça. Hop. J'utilise la clé qui se trouve là. Et là, je me retrouve à la fin de l'étage 7 avec le code annoté ici. Et l'accès à l'étage 8. Est-ce que je vais me débarrasser de certaines choses? Oui, ben, comme d'habitude, les parchemins là. Parchemins qui sont là. Non, c'est pas là, c'est là. C'est pas là. Où est-ce que je les ai mis ces parchemins? Il y en a un qui est là. Hop. Ah zut. Voilà. Ben, j'ai dû. Ok, c'est pas bon. Ça doit pas être ça non plus, j'imagine. Alors ça, c'est quoi? Ça. Donc voilà. On est à la fin d'une étage 7. J'espère que ça vous a plu dans le jeu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine... Ah, je vais d'abord sauvegarder, évidemment. Save game. Donc on va l'appeler level 7. Et donc, je vous dis à très bientôt pour l'étage 8 du jeu Towers de JV Enterprise.